voici Linda. La petite merveille? Exactement. Monsieur, vous n'avez rien écouté, ni ma voix, ni une cassette. Eh bien, tu n'as qu'à faire une maquette avec Lynn et Alex, comme ça en amateur. Et bientôt, je te donnerai de mes nouvelles. Non, il n'est pas très bavard, ton Big Boss. Mais t'inquiète pas. Avec lui, plus c'est court, mieux ça vaut. Si tu ne l'avais pas plu, il t'aurait endormi avec de belles paroles. Tu as vu son œil? Quand tu lui as parlé du million et quelques de Portugais, là, là, j'ai vu que ça faisait tilt. Voilà les lieux. C'est parfait pour deux personnes, mais si jamais l'un jour vous étiez trois, ce serait peut-être un peu juste. Bon, c'est un appartement pour deux, on reste deux. Maman? Oui, ça fait trois personnes qui me demandent où est le dentiste. C'est pas un appart, c'est une logée concierge. Ça, c'est l'inconvénient des rez-de-chaussée. C'est aussi pour ça qu'il est pas cher. On va même pas cher, on va en pouvoir payer le loyer. Il installe le téléphone très vite parce que... C'est pas grand, messieurs.